tout a l'air sous contrôle pour entamer cette partie à Indiana Jones et le Temple Maudit. And the Temple of Doom. Ouf, c'est quand même une grosse épreuve à franchir pour le réussir. Vous verrez ça graduellement au fil de ma partie. Tout en commençant ça dès maintenant. Moi, il me donne quelques petits indices entre chaque wave, là, ça peut aider. Rares sont les jeux qui font ça à cette époque-là. Comme je disais hier, on dirait que les jeux next-gen, ils nous donnent mille et une infos pour pouvoir avancer dans le jeu. Ah, c'est vrai, faut que je reste sous l'épée. Tandis que les jeux rétro, man, c'est rare qu'ils nous disent quoi faire. Fait que peu d'infos qu'il y a, on crachera pas dessus. Dans le fond, le but, c'est... on pense que c'est de récupérer tous les jeunes, mais ça, c'est pour upgrader notre partie. On va se pogner des items qu'on accumule dans notre inventaire, qu'on peut sélectionner avec Select, en choisissant la direction avec le D-pad. C'est ça qui complique. Quand il se met à avoir beaucoup d'ennemis, je vais vous dire, ça se met à être compliqué le contrôle. C'est pas facile. Là, le premier niveau, il est facile à comparer aux autres qui s'en viennent. C'est une easy shot. La seule place où il y a des bombes, c'est en ouvrant des petites cages ici, ou les trappes. Là, je vais regarder, j'ai toutes les kills. Il y a 25 bouts de map à pogner. On n'est pas obligé de toutes les prendre, mais c'est ce qui va nous aider le plus à pouvoir résoudre le mystère de la Wave 10. Ok. Ah, je suis retourné là, moi, je suis même pas prêt à la porte. Non, là. Ils nous font apparaître random, hein. Hey, déjà la clé, moi. Pas long, hein. C'est la clé qui nous permet de sortir, mais pas dans cette partie de niveau-là. Faut pas la roche, elle arrête les tapis roulants, pis ça, ça peut être utile. À un certain moment dans le jeu, là, ça commence à être tellement le bordel qu'on aime ça quand les tapis roulants y arrêtent. Au moins, on gaspille pas d'épée tant qu'on touche pas notre cible. Il y a ça qui est pas pire. Bien pensé, au moins, il y a des jeux là, que si tu donnes un coup dans le vide, tu perds ton épée. Oh. Ce qui est le fun aussi, on peut se servir des bombes qu'on a pour détruire certains pièges. Ok. On va aller faire l'autre partie de la map. Oh, j'ai encore fou, me suis trompé. Faut que je reste droite. Bang. Là, c'est pas le bordel encore, loin de là. Tiens, toi, il y en a juste un ennemi, là. C'est facile. Là. À un moment donné, ça commence à être difficile. Là, au début, j'en profite pour m'armer, là. C'est pour ça que je prends toutes les kills. Les bouts de map. Je pense qu'il y en a deux. Dans cette wave-là. Il reste un kid à pogner. Soit qu'il est ici, ou il est dans l'autre map. Difficile à voir. La map à l'eau. Ok, si je pogne un sport-là, je quitte tout de suite le niveau. Ah, j'ai l'impression qu'il est là. Il m'en manque un, il est là. Aussi simple que ça. Je me remets toujours sur le fouet. Yeah, on les a toutes. Wow. Ok. Ça en est, c'était plus simple que ça. Ouais, c'est ici. La sortie. Je peux prendre l'une ou l'autre des deux sorties, vu que j'ai les deux clés. Bon, au début, c'est facile, pareil. Ben, c'est pas dire que c'est si facile que ça. Le jeu se fait bien. Il est le fun, au début. En plus, ça devient tellement n'importe quoi que je sais même pas si on peut dire que c'est le fun. Ça l'est, mais beaucoup moins. Une Indiana Life!
Yeah. Un là-bas. T'sais, hier, il y avait une porte cachée là. Il y a des portes qui ils peuvent être à l'une ou à l'autre place. Il y a des portes secrètes. Il y a des... Il y a des... Bon, je faisais des wards dans le jeu. Je les prends pas, moi. Je vais tout faire le jeu. C'est ça, le Vidness Challenge. J'essaie de faire les jeux au complet. Sans skipper quoi que ce soit, si possible. À moins que le jeu soit infaisable. Ben, comme Gauntlet, on peut pas faire tous les niveaux. De la façon que c'est designé. Là. Pour ça, je dis que certains jeux, ce sera peut-être pas faisable. Bon, le gun. Ça, fallait le savoir. Et on repogne le fouet. J'ai pas tout, hein. Il en reste toujours. Hein. Petit dernier est tout à fait pas. Ah ah, il est là. Prêt déjà à quitter le niveau. Oups. Merde, première vie perdue. Oui, oh. D'une façon kung fu. C'est ça qui arrive dans le jeu, là, si on se fait toucher, on revole, man. Regarde, elle est pas là, là. Pas pire. Ok, ouais, c'est ça, j'aurais dû rester sur le chariot. Avoir mieux calculé ou avoir mieux connu le niveau. C'est ce que j'aurais dû faire. Au fond, j'ai voulu débarquer, puis ça m'a fait perdre une vie. Déjà, Wave 4. Ok. Là, ça commence à être de plus en plus dur, tout pogné et kid. Je vais pouvoir réussir. Je pense que je vais réussir dans ce jeu aussi. Mais la 5, je suis pas sûr. Attends, l'araignée. Spider! Yahoo! Être plus féroce, les ennemis. J'aurais pu. Si je me refaisais toucher, vous voyez, il y avait de la lave, là. Genre, je tombais dans la lave. Ok. Après, je pense à aller dans l'autre section. Ça, cette section-là est plus tough, sérieux, je trouve. Là. Ah, allez, quand ça va avoir du monde dans les chariots. J'aurais dû monter là. Peut-être me faire rentrer dedans. Une araignée qui me tombe dessus. Ouais, ça fait deux fois que je me fais tuer par une araignée. Indiana Jones ou Indy a peur. Monsieur Jones. A peur des araignées et des serpents. Ah, est-ce que. C'est normal, pas mal tout le monde a peur de ça. Jusqu'à un certain point, là. Il va pas me crisser dans la lave à cause qu'un araignée me tombe dessus, là. Voilà. Non! Je n'ai gaspillé une pour rien. Yeah. Au moins, je gagne une vie. Je peux pas être devant eux autres, vous avez vu? Faut comme je sois un petit peu plus bas. Comme ça. Je pense que je peux pas tomber en bas. C'est ça qui est le fun au moins. Regardez. Même si je mets ma manette là, je peux pas tomber. Il y a ça qui est safe. 5. Ils sont où les autres? Je sais pas si je vais pouvoir ça, hein? Sûrement. S'il peut en arriver un. Taxi! Taxi! Oh. Ah, trop.
Pas le choix. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Faire ça, je vais rentrer. Pas évident de trouver les autres. Ah, il était là. Ils sont en haut, là. Ah ah. Parce que ce qui est en haut peut être en bas, ça fait que le jeu il peut nous apporter dans la même direction ce qu'on pense qu'il va nous demander d'aller chercher en haut. On peut aller chercher en bas. Je veux presque toutes les avoir récupérées, là. Ça commence à être plus dur, hein, les récupérer, hein. Ils se laissent pas. Ils sont pas placés à autant de bonnes places. La clé en plus. Yeah, je pense que je les ai toutes là. Pas pire. Ça allait pas assez vite. Facile de perdre des vies à ce jeu là. Ça me laissait ça. Ça me laissait tomber là. C'est pas grave. La sortie est là aussi, vu que j'ai les deux clés. Extra Gun, Even and Wave 5. Oh là, ça va commencer plus tough avec les chauves-souris. Il y en avait 32 à peu près. Ouais. Il a donné un coup là-dessus, là. Ça, je sais pas si ça allume une lanterne, on dirait. Puis il n'y a pas de chauve-souris pendant ce temps-là. Bon, on va en détruire. Pas pire. Faut être persévérant. Ça c'est fucked up. Lui, il est space. Il est entre la lave pis... Je serais probablement capable de toutes les prendre encore. C'est dans la 6, je pense que rendu là. C'est quasiment mieux de la faire le plus rapidement possible. Ah non! C'est chiant. Je vais aller là, pareil. Ben voyons. Trop facile. Trop facile de mourir. Trois vies à la même place, c'est pas normal. C'est ça quand que le jeu dégringole. On voit vraiment que c'est un bordel, là, rendu là. Hein, vous le voyez bien. C'est rien encore. Je pense qu'il n'y a pas 100 niveaux, hein, s'il aurait pu vraiment mettre ça difficile. Thank you.
Bon, il est temps de changer de place. Ils sont pas mal durs à pogner rendus là. Ils mettent à des places assez dures d'accès. 20 encore à pogner. Je suis pas sûr de pouvoir toutes les prendre. Pas mal perdu de vie dans ce niveau-là, je pense. Un petit peu trop. Hey. Ah, c'est quand même tough, hein, de pas mourir. C'est toujours le fun. Ça pogne. Ah, son site. Hey, vous avez vu? Ça demande de la concentration en disant. Yeah. Il cherchait la bombe que là. Il va pas en manquer beaucoup. Là. Non, il y en a un. Il reste 5. Je sais qu'il en reste un dans l'autre map, c'est vrai. Il est dans le haut. Bonsoir Lunatix, bienvenue. À toi aussi Tricky Boy. Où est le petit dernier ici? À moins qu'il en reste deux dans l'autre map, mais je soupçonne qu'il y en a un petit caché quelque part ici. Ah, c'est un vrai bordel. Hein? Pour ça, je pourrais terminer déjà le niveau. Hein? Mais je sais qu'un bout de map... à quelque part. Non.
commande. Est-ce que j'en retente le coup? Ah, shit. Deux vies perdues à la même place. C'est tellement facile de mourir. Alors, remettez-moi pas. Ah, ils remettent là en plus. Vraiment pas toucher à la lave. C'est des tapis roulants. Hein. Il y a rien que quand il y a de la lave là, qu'on peut y toucher. Ça, il en manque un quelque part, mais je sais pas où. Ça me fait la même affaire que la dernière fois. Je pourrais terminer le niveau là. Dites-vous. Ça fait des... Tant qu'on a les clés, on peut terminer les niveaux, dans le fond. C'est ça qui compte. Je risque de chercher longtemps pour un petit. J'ai le goût déjà de quitter le niveau. Ah, il est là! Yes! Chanceuse! Thanks! Nice! Ça me fait gagner une vie en plus. La sortie doit être pas loin. Je peux pas croire. C'est le bordel! Et tu m'as fait de débarquer. Et là, la sortie! Wouhou! J'ai réussi à sauver toutes les kids. Et là, je peux plus me permettre ça à Wave. Wave 6, 52! De toute façon, c'est impossible à m'emmener, tu sais, la Wave 10, il y en a 100, il y en a plus que 100. Fait que c'est pas fait pour qu'on puisse tout les prendre. Même le walkthrough dit que certaines affaires qui sont impossibles. Mais c'est impossible, la perfection est impossible dans le jeu, c'est ce qu'il disait. Je l'ai pas lu attentivement, mais juste pour me donner sur quelques idées sur le jeu, pas le choix. C'est un jeu que sans truc ou. Sans info, même, tu risques de galérer solide. Ah. Lâche-moi, direct. Caca. Ça pour une bombe, hein. C'est vrai que ça servait absolument à rien. Hein. Gaspiller une bombe pour une bombe. Essaye d'en pogner pareil le plus possible parce que ça me donne des munitions. Pas le choix. Hey! Méchant garnement. Nice. La clé. Je me débrouille. De mieux en mieux. Ce jeu-là, à 100%, ça doit être... Si quelqu'un oserait essayer de tenter une run comme ça, ça serait assez hard. Vous, je pourrais déjà terminer le niveau. Là.
Mais je veux prendre quelques bouts de map, si je suis capable. Et pour les prendre, faut que je sauve les kids. Personne qui passe. Plus en plus de tapis roulants. Oh yeah. Une Indiana Life. C'est tough passer. Ah ouais, c'est mieux de passer quand que le tapis t'arrêtait. Ben oui. Il y en a toi. Du temps. J'en reviens à 99. Cool. On va essayer d'en sauver pareil le plus possible. La fin à ce jeu. Peut-être 2 heures si je suis chanceux. Ça 2 heures, 1 heure et demie peut-être, si je suis chanceux. Non. Il va revenir, elle va revenir. Je savais, tant que je la tue pas. Bien joué. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qui me tue? Ah, ça a fait disparaître. À chaque fois que je meurs, cette place-là, c'est trop haut. J'en comprends pas. Je perds tout le temps ce bout de map-là. C'est vrai, ça. C'est peut-être qu'il y a des piquants ici, d'après moi. Faut que j'aille détruire les piquants. Là, je tombe direct dessus, fait que c'est pas bon. 28 à récupérer. Donc il fait ça en plus pour les bouts de map. Ah, j'aurais dû monter là. Merde! Une petite affaire de plus, puis je sautais là. Puis... pas évident, hein? C'est la folie. Bon, une autre section. Je suis pas allé encore, hein. Je suis pas encore sorti de la cabane. Non! Ah, ouais. C'est vrai, je l'avais faite, mais... quoi qu'il me reste de vie, 9. Pas pire. Elle va revenir, la chauve-souris. Faut que je me mette haut, sinon elle va me pousser dans la lave. Ouais, tout ça pour une bombe. Ah, c'est tough les niveaux, et trop de lave.
S'il vous plaît, un petit bout de map, ça serait le fun. Ils sont tout le temps placés à des places difficiles, hein, les bouts de map. Je suis pas mal dans le haut complètement, on dirait. Nice. C'est le fun à explorer. Sauf qu'on voit que c'est assez mêlant, disons, par moment. Yeah. Non, c'est ça, les bouts de map convoitées. Fait du bien ça dans le poignet. Je suis peut-être pas allé ici. Ouais, je suis allé. Oh, une petite sortie, s'il vous plaît. Tourne en rond. Hein. Faut que je descende un peu. Oh, il y en a un là. Il a l'air tough à pogner. Lâche-moi, toi. Il est entouré de lave. Hein. Comment elle est là? Ouais, soit faut sûrement je descende. Ouh. Ici. Ah ah. Non. En chant, j'étais collé sur le bord. Le truc, c'est de se coller sur le bord de la falaise, je pense. Wow. Ok. Tu peux pas trop sortir de là, c'est poche, man. C'est con, man. J'ai obligé de sacrifier une vie pour sortir de là. À quoi j'étais pas censé passer par là, d'après moi. J'ai les deux bouts de... Dans le fond, je vais quitter ce niveau-là. Il y en a un autre ici, par contre. Ah, il y en a un autre, là. Hey, lâchez-moi! Ouais. La moitié du jeu de fête. C'est ça, la première moitié se fait à peu près en 30 minutes, selon moi. Ouais, c'est ça, ça fait penser un peu à Zelda, à mon avis. Spécialty. Une clé spéciale, elle peut dans ce niveau-là. Pas trop, je vais être en mesure de la pogner. Ok, on commence ici. Drette avec une chauve-souris en partant. Ça commence sec. Oh non. La bombe, ça dé... Ah merde. T'as vu ça, la bombe, ça détruit... C'est la première fois que je m'en rends compte, la lanterne. Ah, man. C'est parce que le tapis, il marche, puis après, il arrête quand il y a la roche.
je suis au sommet à attendre qu'il y ait la roche puis d'y aller. Je veux trop aller vite des fois. Il y en a moins à pogner dans ce jeu. Il n'y en a pas une cinquantaine au moins. Va être crissement dur sur ce niveau-là. Je pressens. 6 vies. Hey! T'as même pas le temps de te placer, même. Je pense. Chariot, please. Merde, ça pète toute la gueule, là. I don't know. Ok, pas plus avancé d'aller là. Vraiment un bordel ce niveau-là. Avec la musique cauchemardesque. Il y a la clé. Ça, j'ai jamais réussi à la chercher. Oh! Ah, tu veux que je sorte de là? Bordel, deux vies, là. Deux vies. Enfin, il ne commence pas à bonne place. Tiens. Ouais, je sais, ouais, c'est cette clé-là, ouais, je le savais. Et pas tout le temps cette place-là, c'est ça le pire. C'est la première fois que je réussis à pogner, c'est pour ça que j'ai quitté rapidement la Wave 7. Là, je pense que c'est là que je vais faire un continu avec juste deux vies, là, je devrais pas l'avoir. Parce que là, ça me prend la Magic Idol, que je quitte le niveau aussi. En tout cas, je l'ai quitté rapidement quand j'ai réussi à trouver la clé, ça va peut-être me faire sauver du temps, comme qui dit Billy Bunk, dans la Wave 9. Ok, celui-là, moi, je m'en souviens qu'est-ce qu'il faut que je fasse au début. Je descends ici. Me semble.
On ramasse un peu. Là. Quelques kids. Le stylet, la clé. Ah, oh, celle-là, je l'ai faite à répétition. Hein. Je le connais. Là. À chaque fois que je me repositionne sur le tapis roulant, je redescends. Là. Je suis là, je redescends pour le toucher. Mettons, faut que je sois à la bonne hauteur. Hey! Merde. Ah, ben cool, un bout de map. Ben, c'est pas là que je vais aller. Je me souviens encore, je vais attendre. Tiens, toi. Elle reviendra pas tout de suite, d'après moi. Elle revient. Elle est sortie. On la voit sortir, hein? Ok, je vais m'armer un peu, tant qu'elle est là. Ouais, j'aime mieux passer ici. Pas encore. Chauve-souris. Désagréable. Elle va revenir. Là, non. Ah, mais je savais pas ça que les bombes, en tout cas, pouvaient détruire les lanternes. Puis un coup que la lanterne est détruite, les chauves-souris reviennent, évidemment. Reviennent, évidemment. Ça me stie. Ça ressemblait ici, hein. Je suis pas à la bonne place encore. C'est pas ça de passer là. Ça a pas l'air d'être ici. Merde. Faut que je sorte de là. Non! J'ai laissé mon... C'est rat, man. Je vous le dis, je l'ai laissé, man. Incliné. Hey! Trois vies commandes! Shit! Là, ça commence à être tendu, man. Deux vies. Non! Non! L'oiseau, man, de malheur, man. Ou la chauve-souris, man. Fudge! Allez-vous-en, vous autres. Non! Comme défaite, ils me l'ont mis à l'autre place.
ça réduit largement mes chances de l'avoir. C'est rare, j'ai passé ici. Ah, c'est ça qui arrive. Là. Je pense que je l'aurais pas dans ce game-là. Je savais la Wave 7. Il faut que je retienne A. Start. Je sais, je m'en doutais bien. Là. Cette Wave-là est tough. Là. Je me suis repris même des dizaines de fois même, pour la réussir. Parce que les ennemis sont harcelants. Pas juste ça, même. De trouver même l'idol, mais moi je veux pas quitter ce niveau-là tant que je l'ai pas. Non, pas ici. J'ai passé le doigt, je pense. C'est fou, hein? C'est là que ça devient tough, là. J'ai jailli des mes tableaux, les niveaux avec les tapis roulants, ça n'a pas d'allure. Please. Non. Pas ici. Enfin, lâche pas. Pour ça, je suis pas chanceux. Il y a trois possibilités, que les possibilités à date, ça donne jamais à la bonne place. Impossible. Ils me l'ont pas encore mis à bonne place. Trop de facteurs random dans le jeu. Faut me réapparaître parce que je sais même pas je suis où. Elle est bonne celle-là. Ah, please! Je veux sortir de là. Avant de perdre toutes mes vies, sont donc ben sales. Ils te font réapparaître une place où ce que tu sais même pas t'es où. Tu sais, pourtant, quand tu meurs, tu serais censé réapparaître à la bonne place.
C'est rouge, là. C'est ma dernière chance. Salut, Jibrochu. Move up et cross the lava et reach the Sankara Stone. Yes. Bon, là, je suis censé l'avoir. Vu que c'est ma dernière vie, ça me prend le plus de vie possible. J'ai encore la clé. C'est bon signe. C'est poche, là, mais c'est rien que pour avoir plus de vie. Bon, ben, je l'ai réussi. Puis là, c'est là je vais avoir besoin de la map. Pas pour la Wave 9, là, mais vous allez voir. Move up et cross the lava to reach the Sankara Stone. Ah, merci Super Big Game Art pour le host. Là. Thank you. Merci d'avoir été là. Mais avant de prendre la porte, je vais tout prendre le stock. Tant qu'à faire. Ça va me faire gagner des vies. J'ai pas le choix quand même de faire le niveau. Enfin, j'ai le choix, mais si je veux avoir le plus de vies possible. Sont rendus harcelants. On vraiment prend une tranche à la gorge à n'importe quel moment. Neuf bouts de map. Ah, je l'avais un de plus hier. 8. Au moins je me suis déjà rendu à 7. Wow, c'est poche l'oiseau même. Il se fait trancher à la gorge pendant ce temps-là. Gage. Wow! Moi qui ai besoin de mes vies. Moi qui fais ça pour mes vies, même. Puis je suis rien en perdre. Qu'est-ce que c'est en tough pareil, le jeu? Bon, je présume s'en servir qu'une seule fois, là, okay. Oh. Oh, on l'a pu après. Oh, sûrement que c'est ça. Je peux juste m'en servir une fois. Ah, oh! Un mélange entre les arbres, ça va bien. Pour naviguer entre les bonnes arbres. Wow. Ah non! Ben voyons. Hey. Hey.
Bon. Ah, croisons nos doigts. Pour le dernier niveau. Ben, le dernier des niveaux les plus improbables. Au moins, on voit le X. On voit une tête de mort. Cool, moi, ça m'aide. Plus qu'on a le bout de map, mieux que ça. Ça ressemble à être la map 6 encore. Fait que... Bonne chance. Ça a l'air d'être bien elle. C'est la map 6. Faut vraiment que j'analyse avant de commencer ça. Ouais. Bon, on va croiser nos doigts. Yes, une vie. C'est vrai que dans le fond, je peux en profiter pour pogner quelques petits kids. Que si je m'équipe, je vais peut-être. Ah non! Merde! Salaud! 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 C'est vrai, là, les pierres. Ah non, à cause que je suis mort, les pierres vont être. Ah non! Ils sont vraiment pas placés aux bonnes places, même. Où je navigue là. Ah, ok. C'est n'importe quoi, là. Ah, que c'est nul. Je pourrais vous garantir que c'est nul, même. C'est pas ma foi la plus chanceuse, là. Vraiment pas. Là. Faut pas que je meure sur ce screen-là, ça veut dire. Là. J'aurais dû me dépêcher à le faire, voir sûr. Ah ouais, allez-vous-en, vous autres. Ils réapparaissent aussitôt, même. Yeah. Où est le respawn, là? Il y a de la lave partout. Comment vous voulez qu'ils apparaissent? Tombe du ciel. Dégage. Vaut mieux de rester là, les ponts, après je les ai faits. Bordel, bordel! C'est n'importe quoi, man! Comment tu veux que j'aille le temps de récupérer les pierres avec le tas d'ennemis qu'il y a, man? C'est n'importe quoi, lâchez-moi! Fuck, je veux la pierre, man!
Fuck. Allez, on va juste en apparaître là. Allez. Il apparaît vraiment pas à bonne place. Yes. J'ai retraversé là, ça n'a pas d'allure. Hein. Oh non! Trop facile crever. J'ai reperdu toutes les pierres. Je suis même pas rendu ce qu'il faut. Je pense pas l'avoir dans ce game-là. Je perds du temps. Par chance qu'on peut récupérer les pierres. En tout cas, ça me fait perdre toutes mes bombes, man, pareil, quand j'y pense. Man. C'est pas bon, man. Sûrement, mais je recommence, il va m'en manquer. Là. Et où l'autre pierre? C'est nul ou quoi?
C'est quoi le rapport? Et où l'autre pierre? Bizarre ça, il me semble que tantôt il était pas là. À moins que j'avais pas eu ou je sois pas allé la chercher. Bon, j'ai les trois, là. Mais j'ai combien de vie? C'est ma dernière vie. Ma dernière chance. Fuck! Pourquoi ça a pas traversé, man? Bon, mais con. Bon, ben. Quand je l'aurai pas. J'ai eu encore une chance en or, même. Je l'ai échoué. Ça. Non. C'est near impossible, man. Même si t'as les pierres, là. C'est trop sketch, là. Ah, en plus, j'ai plus la clé. Bon, ben, bienvenue en enfer, man. C'est là que ça stagne, le jeu. La Wave 10 est presque infaisable. C'est épuisant, ce jeu-là, man. Fait tout le temps se battre, man, de même, là. C'est parce qu'ils apparaissent trop agressivement, man. C'est fatigant, man. C'est au moins, il y a un délai, man. Il n'y a pas quasiment de délai. Il est tout de suite, tac, tout de suite. Zodas pour le host. Bon, please, le fait que ça soit ici, ça serait beaucoup plus simple.
faut être patient. Là, vous allez voir que c'est long en plus. C'est peut-être même pas ici, en plus, ça va apparaître. Voyons, j'ai mis ma diagonale. Ah, merci, JF, pour le host. Bon, mais ça stagne ici. Non, ça n'a pas l'air à vouloir. J'ai ça dans ce temps-là, man, ça fait perdre du temps, là, solide. Ouais, please. Regardez, on voit que ça pourrait être là. On manque juste ici, là. Faire un beau petit chemin. Juste qu'il apparaisse devant moi. Des fois, c'est mal foutu, man. Ça perd vraiment notre temps, le jeu. C'est dépendant lesquels qu'on kill. Si on le voit, là, que je l'aurai le chemin, là. C'est bang, man. C'est-tu que j'ai ça, man? Qu'est-ce que j'ai ça? Six possibilités en plus. On graisse à la sauce comme on, là. Ça n'a pas l'air à vouloir être là. Fucker, fucker. Pas chanceux, man. Ça, c'est rare que ça fait ça. Hein. Hier, ça avançait. Là. Non, ça a pas l'air d'être ici, toi aussi. Ça veut rien savoir. À 66, là, je réduis mes chances de pouvoir l'avoir. Là. C'est poche, man. Je comprends pas, il n'y a pas une place, man, qui se mette devant. D'habitude, man, c'est simple. Je sais pas ce qui se passe, là. C'est ça que je déteste, le jeu-là, là. Ça n'a pas rapport, là. Ils apparaissent toujours aux mêmes places. Please. Comment on apparaissait ici, là? T'as rien de compliqué, là. C'est la vraie arnaque, en plus, j'ai 4 vies, là. C'est plate que la clé spéciale, elle serve qu'une fois, là. C'est vraiment dole. Je décide de ça, là, tout d'un coup, là. Really bad.
Il y a de quoi j'ai fait de pas correct. J'ai sûrement fait apparaître. Je n'ai sûrement fait apparaître un qui fallait pas. Là. Ça se peut pas. Là. Il y a de quoi qui fait bugger le reste. Un doit être relié à un autre, puis j'ai pas détruit le bon à quelque part, puis qu'il pop tout aux mauvaises places. Là. On le voit là, que c'est impossible. J'étais à un là. En plus, je vais manquer de temps pour traverser à cause de ça. Là. On demande pas tant que ça, man. Si au moins je pourrais voir lui ici, là. Non, rien qu'à cause qu'on le voit. Ah ouais, je l'ai eu pareil. C'est cool. Ça fait pas apparaître trop autant. Hey! Je fais la diagonale. Bon. Very bad, very bad, very bad. Je me fais vraiment niaiser, man. Pas assez de temps pour que je fasse ma traversée, c'est ce qui arrive. Hey! Vraiment con, là. Je suis obligé de recommencer, hein? J'y ai pas touché. Quoi? C'est le bordel, ce niveau-là. Imaginez l'autre, c'est encore pire. Le jeu rendu là, c'est un vrai bordel. Trop d'ennemis, si un de moins, ça aurait peut-être été mieux.
Je me suis même pas envoyé dessus. Le contrôle est vraiment sensible. Quoi? Quoi? Fuck, j'ai besoin de mes vies, man! Chien d'aller le détruire. D'aller l'activer plutôt. C'est parti pour me faire une affaire. Pourquoi, non? Hey! Ouais, please. Non, pas là. Vraiment, faut être patient, là. Puis c'est random, là. Si je détruis pas les bons, là, sûrement que... J'ai même pas le goût d'en détruire un de ce côté-là. Tellement que je trace pas ça. Je vais faire une petite ligne droite ici, là. Comme ça serait pas de refus. OK. Pourquoi? Sont trop dans ce coin-là, c'est louche. Est-ce qu'il y a, j'étais chanceux, là? On le voit, là, sont pas partis pour apparaître, là. Pourquoi? Même pas le temps de changer d'arme quand il arrive. Hein. Ils me l'ont donné sur un plateau. J'avais la clé tantôt, la clé spéciale. En plus, j'ai traversé l'autre partie vraiment rapidement. Et il va pas pantoute, même. Ça fait déjà quoi? Une demi-heure quasiment, je passe là-dessus, j'ai l'impression. Non, je comprends pas pourquoi ils veulent pas les faire apparaître devant moi, même. D'habitude, c'est simple. Là, ils apparaissent toujours autour. C'est pas normal, là.
57 secondes, c'est quasiment impossible. Parce que c'est pas des secondes, mais... Ça gâche le fun que j'avais, tu sais, vous comprenez, tantôt quand je parlais, même, que j'avais du fun, là. Là, c'est tout le contraire, là. Là, en ce moment, tes fesses coincées, là, là, ça te tente pas trop, là. D'attendre, là, de te faire niaiser, surtout, là. Qu'est-ce d'affaire aléatoire? Déjà que l'autre niveau, c'est du pur aléatoire, man. Il arrête pas, man. Le jeu tout le long, man. En plus, j'ai deux vies. Waouh. Je fais ça vraiment encore pour rien, man. Bizarre, hier, ça s'enchaînait parfaitement. Hein. À chaque fois, je l'avais quasiment la Wave 9. Mais je l'avais à chaque fois. Je sais pas pourquoi je l'avais pas ces deux. Là. La roche était partie, elle était plus là. En tout cas, je n'aurais pas échoué ça, je l'aurais déjà. Je l'aurais. Là. Hier, là, c'est, je l'ai eu sur un plateau. Hein. Le jeu, là. Hey, hey! Dégage, toi. J'arrive pas à y croire que si j'aurais su ça hier, là, je l'aurais fini le jeu. L'affaire des pierres de Sankara quand on les perd. Là. Je vous le jure, je l'aurais eu là, hier. C'est spécial. Là. Hey, j'ai changé d'arme! Je vous le dis, j'ai changé d'arme! Ça me fait perdre une vie à cause de ça. Ah, que c'est mauvais, man. Je suis pas chanceux là, avec la Wave 9, c'est vrai comparé à hier. Là. C'est tout croche, là. Vous l'avez vu, man. Je viens d'aller le détruire, man. Le truc, c'est en bas, man. Fucker. Regardez, c'est réteint, man. C'est ridicule, man. Non!
ça serait pas d'eux autres, là. Je vous le dis que je l'aurais plus facilement, là. C'est tellement dur avec eux autres dungeons, là. Regardez, ils reviennent tout de suite. Là, ils sont mieux pas de revenir, là. Ah, ça allait vous foutre dans la lave, là. Vous êtes bien content. Hey, fuck! Comment est-ce qu'il y a un mec a fait pour passer? Deux vies! Il était temps, man! Moi, je suis pas encore sorti de l'auberge en plus, man. Qu'est-ce que j'ai fait pour être patient de même hier? Comment j'ai fait ça? Il me reste juste deux vies pour faire le reste. Une vie, même. Je vous dis pourquoi que je perds toutes mes vies là. Ça m'aurait pris 4 vies, ça m'aurait pris mes 4 vies. Bon, j'en ai gagné une, je présume. Bon, c'est là que ça se corse. Ouf, il n'y a plus de tête de mort par contre. Ouh. Ok, aucun point d'indicateur. À part quelques oui, petits points. Ah, c'est encore la même. À la même place. Non, à la même place. Faut que je fasse la même affaire. Même je l'ai, il va peut-être me manquer de vie pareil. Hein? Même pas touché à la lave! Oh non, si je fais, man. Les pierres de Sankara, pas assez de vie. Je suis obligé de tout retourner. Traverser ça, c'est illogique. Ça fait encore vraiment bien à voir là.
Bravo 1, bravo 2, man. Bon, une petite vie. Ça change plus ou moins de quoi. Et je l'ai ou je l'ai pas, là. Bon, ça va prendre la misère du monde à traverser les 7 en plus. Puis c'est là où faut que je traverse. Bizarre. Hein? C'est pas beaucoup de temps, même. Tout juste, même. On va voir ce qu'elle apparaît maintenant. Oh, rien de fatiguant. Est-ce que ça complique la forme, hein, ce niveau-là? Là, il est vraiment maudit, man. Il porte bien son nom, le jeu. Là. Le film, man, en tout cas. Il est vraiment bon, là. Le jeu il est dur, là. Et s'il respawn plus. Regardez ça, il n'y a pas de respawn, là. Come on! Qu'est-ce de tabarnak? Bon. Fuck. On dirait que quand je change d'arme, il monte. Quand je change pas d'arme, il monte pas, non? Come on! C'est mal fait, man. Hey, je viens juste m'en débarrasser. Come on! Laisse même pas le temps de prendre ton arme, man. Come on! Fuck the game, man!
Y a trop d'ennemis, c'est infaisable, man! Faut pas que j'en reperde une autre vie là. Je suis pas censé perdre de vie là, man. J'ai changé d'arme. J'ai changé de fucking arme, man. J'ai haï cette place là, man. Y'a un bug, man. L'arme veut pas changer, man. Je viens d'aller là. C'est eux autres qui s'en vont l'éteindre. Game de Batman. C'est-tu, man, de jeu de marre, man. Qu'est-ce que ça scrape tout le jeu, man, le fait qu'il soit comme ça, le jeu, man. Rendu là, là, ça l'enlève le charme que le jeu avait. Dès le début, il était bon, man. C'est stupide même que ça soit con de même là, ici là. Bullshit, man. C'est la bullshit, man. La pire place, j'ai ça. L'autre est mieux parce que les ennemis, tu peux les laisser en bas. Non. Ils veulent pas m'en faire apparaître en avant. Là. C'est exagéré, man. Le level 9, là, aujourd'hui, là, il veut pas collaborer, man. Encore moins le 10. Le 10, là, il l'a pas encore. Il a pas encore cédé. Là, je suis pas encore sorti de l'auberge. Je garde pas mes vies. Là. Le 11e, là, ça se peut qu'il me tue aussi. Ah, ça en arrête ici tout d'un coup. Ben oui, gadon, toi. Bon, eux autres, je pourrais crissement écrire ça en bas, là. Qu'ils viennent plus m'en harceler, mais ils font toujours pareil. C'est quasiment impossible de pas les avoir dans les jambes.
Tantôt, il y en a une gang qui a apparu direct en face. Que j'ai trouvé un truc, faut que je me sauve pour... Alors, vous voyez là qu'il en reste plus beaucoup, là. Il en reste deux à apparaître direct devant moi. Non. J'ai pourtant fait la flèche. J'en aurais un déjà de popper en face de moi. Ah, je serais déjà traversé. Et oui. Si le changement d'arme se ferait convenablement. Là. Bon. Faut pas comprendre comment c'est hard. Même si vous l'essayeriez, vous allez manquer de temps. La première fois que je l'ai essayé, je manquais de temps. Tellement c'est random. Ça a l'air à collaborer, là. On va se rendre. Ça me fait chier, là. Faudrait pas hésiter. Calvier. Hey, salut Funky Billy. Ah, la musique est bonne, c'est le jeu, le gameplay, les graphismes sont beaux, man, mais rendu, il y a de quoi qui scrappe le jeu, man. C'est rendu là, le Wave 9. Là. Le Wave 10, ben, Wave 9, elle se file. Wave 10, c'est un vrai casse-tête. Ah, ça a changé de place tout d'un coup. Dommage. Dommage, j'étais encore dans la 6. Chanceux, je l'ai en tout cas. Comme je vous dis. Vraiment pas facile le jeu. Là. J'ai la même affaire que tantôt! La même affaire! Arnaque. Vraiment une arnaque, ça. Oh non, je suis pas obligé, je suis mort, man. J'allais pas mourir, man. Fuck, c'est raw, man! Je n'en reviens pas, man. Là, je perds du temps encore dans ce stage-là, man. Fuck! La porte était juste là, man. Il manquait une tête de squelette, man. Le jeu, il est vraiment raw, man. En plus, il faut changer d'arme, c'est pas si facile que ça, là. Disons changer d'arme. Ça paraît simple, mais non, ça ne l'est pas en tout. Bon, ça y est.
Les ennuis commencent. Perdu 2 vies à date, man. Calisse de niveau de marde. Ouais, faites-la paraître, man. J'ai pas juste ça à faire, moi, là. Fuck! Place-toi, man! Je vous dis, ça serait pas des astites fatigants d'ennemis à la marde, là. Bon. Ça en plus, man. Hein? Quoi? Même bug que tantôt. Même ma petite fucking bug. Là, en plus, l'oiseau, il est là. Fait que je suis fait, man. Je vous dis, ce niveau-là, là, c'est absurde. C'est ridicule. Ah ouais, apparaît donc. Même affaire, man. Je donne un coup de couteau, il me crisse dans la lave, man. Vidange, man. Vidange. La vidange, man. Je suis pas chanceux, man. Sérieux, là. Vraiment pas, man. Come on! Come on! Chez moi, man. J'ai chier avec ma dernière vie, man! Comment ça? Une crise dans la lave encore, man! J'allais faire avec ma dernière vie, là. C'est vidange, man. Ça fait chier, man. Ça parce que j'ai fait une erreur de mourir une fois, regardez, j'ai tout perdu mes vies, man. C'est absurde. Ridicule, même. Ça se peut pas, man. T'sais, pourquoi que l'oiseau est là, puis nous fait toucher, puis on tombe en bas automatiquement, man? Puis ils savent qu'il y a de la lave, là. Tu peux pas l'ender, là. C'est impossible.
tout le temps obligé en plus de te retaper, man, la wave 9 à chaque fois en plus. Wow. On dirait que le monde dans ce temps-là, quand ils faisaient des jeux, on dirait qu'ils voulaient pas qu'on les finisse, les jeux. Le premier que pensait un jeu qui se finissait, man, un chapeau, man. Le monde après sont allés dire que les jeux étaient faciles, mais moi, au contraire, je vais aller dire que c'est enfin, il y a quelqu'un d'intelligent, man, qui a pas fait les jeux, man, pour des extraterrestres, man. Moi, c'est ce que je trouve dégueulasse, c'est, regarde, tu prends la peine de t'en débarrasser, t'es content, les ennemis. Mais non, ils réapparaissent aussitôt. Là, ici, j'essaie de changer d'arme, là, à cause de l'explosion, on dirait que ça marche pas. C'est un miracle que ça ait marché, ça. C'est plate, man, parce que j'aurais aimé ça l'avoir, man, plus rapidement que ça. C'est possible, là. Ben, c'est répétitif, c'est excitant. Hein. Rendu là, on dirait qu'ils font exprès, là, pour nous faire recommencer. Oui, c'est aujourd'hui, on dirait que ça collabore pas, je trosse pas ça, là. Pas une game vraiment sympathique, disons. Pas sûr ici. Se dégage. Moi, c'est ça que je trouve puant, man, dans le jeu. Tu veux regarde, je me change d'arme pour me placer, pour pouvoir au minimum essayer de détruire une bombe. De détruire une tête de squelette, man. Mais non, ils sont toujours là. Regarde, je vais me placer sur mes bombes, je vais attendre, il va en arriver un. En plus, j'ai même pas touché. C'est vraiment, il y a 6 possibilités, man, ici. C'est ça qui est décevant. Puis l'autre, c'est encore pire, man. Il y en a 24, man. Par chance, les deux derniers niveaux sont moins pires que ça, parce que... Qu'est-ce que c'est? C'est de la folie, là. Hey, soyons, je même pas changé d'arme, man, fucker. Parce qu'eux autres, ils nous laissent pas le temps de respirer. Je veux changer d'arme, là. Oh. Tout le temps dans mes jambes.
entre deux, là. Ok, il en manque juste un, là, allez. C'était pas... J'avais 6 vies, c'était le best, là. Comment ça je perds une vie inutilement de même? C'est rare, man. What? What? La porte était de l'autre bord, première fois que ça arrive. Chris, je pensais que c'était un bug, man. Je commençais à paniquer, là. Bon. Ah, oh, man. Bon, ça a peut-être changé de map pour mal faire, on dirait. Bon, ça a changé de map pour mal faire. Ou pour bien faire. Eh, peut-être pour bien faire, man. Wow, peut-être. Ça serait peut-être là ma chance. Tu me niaises. Tu me fucking niaises, man. Tu me fucking niaises. 6 semaines, ah ouais, s'il te plaît. Man. Pff, attendez, là. J'arrive même pas à y croire, man. J'arrive même pas à y croire, man. Le meilleur du meilleur, il me le donne sur un plateau, là, commande. Oui! Ah, si j'ai failli me faire toucher! Man, ils m'ont l'ont donné sur un plateau! Ah, alléluia, man! Moi qui sacrais tellement, s'il vous plaît, man. S'il vous plaît, j'ai 7 vies, là. Commande. Oh, man. Man. Ils me l'ont donné sur un plateau, man. Sur 24 possibilités, ils me l'ont crissé direct. Direct au début, man. Oh. Pas plus chieux. Ok, on va attendre. L'oiseau. Il va y avoir de plus en plus de monde, je vous gage. Plus qu'on monte. Wow, hein? Non! Non! C'est donc bien mal fait, ça veut dire. Arc! Ça veut dire qu'on peut tomber en bas de l'échelle, c'est dégueulasse. Pourquoi? Oh oh! J'ai perdu les pierres. C'est donc ben rat. Ah. J'espère qu'il n'y en avait pas. Ah, man, je suis obligé de récupérer les pierres si je veux finir le niveau, probablement. Non!
Faut que je me mette plus sur le bord. Hey, là, c'est risqué, man. Je peux pas vous imaginer. Merde! Non! Oh non! Viens pas me dire ça, man! Tu cries ça un coup là-dessus, man. Oui, comment ça ira? Merde, je viens de donner un coup dessus. Descends, descends, descends. Quoi? Non! Quoi? Quoi? What? J'ai plus de temps. Ok, là. Wow, concentration. Là. Hey, c'est vraiment hardcore, même, ce jeu-là, même. Pas fini, là. Thank you.
my god! Man, ça chute dans le passage, man. Oh! Man, dernière wave. Alléluia, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Hein, c'est normal, fucked up. Oh! Allez, plus vite! Non! Ce sera en haut avant, man. Je me demande qu'est-ce que ça fait. Ah ouais. T'es capable! Non! Je l'ai eu ou quoi? You win! What I win! Wow! Man! Dis-moi que j'ai gagné, dis-moi que j'ai réussi, man! Hein, demi-lune! Dites-moi que c'était la fin, man, de ce maudit calvaire, man! Oh, man, sérieux, j'arrive pas à y croire, man, que j'ai réussi, man! Ça se peut-tu, man? J'arrive même pas à y croire! Oh, c'est, man! Qu'est-ce de jeu frustrant, man? C'est toute une fin, hein? Si vous avez à jouer à ce jeu-là, man, assisez-vous confortablement et surtout usez-vous de patience parce que même moi, j'en ai manqué par moment. C'est une vraie torture, ça porte bien son nom. Temple of Doom. Le temple maudit, man. Le maudit game. Que je présume que si j'appuie sur Start, on recommence au début, le jeu va louper. En tout cas, vous le voyez. You win! C'est juste ça l'écran titre de la fin, je présume. Eh oui. Sérieux, man. Indiana Jones. Il m'en a fait baver, sérieux, là. Puis en plus, il y a la version licenciée. Ça veut dire que vous risquez de me revoir jouer à ça un jour, imaginez. Ah, une vraie torture, une vraie... Mais c'est pas si pire pareil. Les bons points que je pourrais apporter au jeu avant de conclure ça, parce que vous avez vu, c'est trop court, à mon avis, la fin. Il n'y a pas de générique de la fin pour que je puisse prendre la peine de parler longtemps à propos du jeu. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire à part m'avoir vu sacré pendant comme une quinzaine d'heures. Non, la musique est vraiment à la hauteur. Sérieux, la musique fait le jeu. Déjà en partant, c'est sûr que... Tu trouveras pas ça désagréable de jouer avec la musique. Ça, c'est sûr, parce que c'est la musique du film qui qui correspond bien avec celle du film. Mais le gameplay, les graphismes sont quand même beaux. Le jeu se contrôle assez bien malgré quelques petites lacunes des fois, mais qui sont causées par les angles isométriques. C'est si on a le malheur de sauter, on descend toujours plus bas, ce qui peut nous attirer dans l'air assez facilement. Mais c'est pas un jeu que j'y donnerais nécessairement une mauvaise cote, mais ce qui fait la difficulté du jeu, c'est la wave 9, 10, 11, 12. C'est moi ce que je trouve le plus chiant. La wave 9, déjà, est dur de progresser dedans. La wave 10, c'est 6 maps, puis 4 emplacements placés au hasard par map, donc 4 x 6, 24 possibilités. La dernière fois que je l'ai essayé, vous avez vu la possibilité la plus facile, en tout cas, plus à portée de main, je l'ai eu direct. Aussitôt qu'on commençait dans la première map, j'avais la possibilité d'aller à Wave 11. Puis ce qui me permettait aussi de voir où était la porte, c'était le Magic Idol que j'ai récupéré dans la Wave 8. Mais tu sais, il y a des bons concepts. C'est un bon concept. On se le cachera pas, le jeu en tant que tel, là, il est bien pensé, même un peu trop, je pense. Pour l'époque, c'est un peu trop poussé, à mon avis, comme style de jeu.
pour le monde, ils devaient pas être en mesure nécessairement de terminer ça, surtout sans conseil ou sans truc ou quoi que ce soit. Là. Quelqu'un qui a terminé ça à l'époque, chapeau, man, c'est un génie. Man, qui s'est armé de patience pour la Wave 9. Ça me fait penser un peu à Gauntlet, que ça te prend absolument le Vault Code pour pouvoir accéder à la Room 100. Genre. En tout cas, franchement, quand même une belle expérience qui m'a, j'espère, fait prendre de l'expérience, même. Surtout qui a travaillé ma patience. Je pensais pas avoir à passer autant de temps que ça. Je m'attendais à peu près à 10 heures, mais pas de m'approcher de 20 heures. Ouais, vraiment pas facile, sérieux. Là. Pour ceux qui ont vu ou qui ont pensé que ça avait l'air d'être facile. Même moi, je pensais que la Wave 11 et la Wave 12 allaient être faciles. Par chance que je suis arrivé à Wave 10 avec 6 vies. Puis par chance, j'ai pas perdu de vie à Wave. Sérieux, c'est une méchante belle game. Je parle la dernière fois que la Wave... que je suis arrivé à Wave 10 et que la Wave 11 était direct à côté de l'entrée de la Wave 10, là. Je pense que tu peux pas avoir une meilleure game que ça, d'après moi. Là. C'est vraiment le best du best. Je suis arrivé avec le bon nombre de vies. La Wave 11, quand même, je m'attendais pas à ça, que quand j'allais mourir, j'allais perdre les pierres de Sankara. Puis, à savoir, es-tu mort sur le pont? Non. C'est bizarre, pareil. T'sais. J'ai même pas regardé dans le menu si j'avais encore les pierres de Sankara. Mais si je me suis rendu au 12e, parce que le 11e... Non, c'est le 12e que vous voyez, il y a un pont, puis il y a une deuxième section au 12e niveau qui nous amène dans une phase en montant. Mais j'ai pas tué le boss de la fin, on dirait. Tu sais, d'habitude, là, tu montes, tu te fais pas toucher, puis on passe au travers, puis c'est comme s'il tombait en bas du pont. Je pense qu'il est même pas mort. Puis... C'est pas grave, au moins j'ai terminé le jeu. Je pense, en tout cas. Et je l'espère. En tout cas, ce que je souhaite aussi, c'est que ça vous a plu, même, puis que vous avez aimé ça me voir... dans toutes mes émotions. Donc, un petit break du Vidmesh Challenge pour ce soir. On remet ça probablement dès demain pour le prochain jeu. En tout cas, merci à tous, man, pour votre participation, votre encouragement, vos 1001 GG, puis... Viva le prochain jeu du NES Vidmesh Challenge! Yes!